Hello tout le monde, je vous fais une version un peu ASMR où on voit juste mes mains, genre c'est un peu bizarre. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis le four déjà à préchauffer, donc à 180. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette que j'ai envie de faire déjà depuis plusieurs semaines. Et là, j'ai à peu près tous les ingrédients. Comme vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas, j'en ai parlé dans un de mes vlogs. Je disais que mon chéri m'avait fait une petite blague assez rigolote sans même s'en rendre compte. J'avais demandé simplement de prendre des noix de cajou et des noisettes, et il m'a rapporté des noix de pécan, des noisettes ou des noix, et il m'a rapporté des noix de cajou. Voilà, il m'a tout rapporté sauf ce que je voulais. Bref, ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais on va se faire un brownie. On avait trop envie, j'adore ça. Ma mère, il y a très longtemps, elle m'avait fait un brownie pour une de mes fêtes. Il était juste incroyable. Je me souviens que j'en avais mangé juste un morceau ou deux parce que tous mes potes avaient tout bouffé. J'étais vraiment dégoûtée. Et depuis, elle m'en a pas refait. Donc voilà, maman, si tu m'entends, merci de m'en refaire un. Ce serait vraiment très gentil. Exactement le même, de préférence, hein. Même si ça date d'il y a 10 ans. Voilà. Du coup, pour cette recette, on va avoir besoin de farine. Donc là, je ne suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut, mais j'en ai d'autres dans le placard. De sucre. Alors après, le sucre, vous prenez absolument ce que vous voulez, hein. Moi, je prends du sucre blanc normal. Voilà. Après, vous prenez l'alternative que vous voulez. Si vous voulez pas que ce soit vraiment du sucre comme ça, c'est peut-être un peu moins bon. Donc voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, il nous faut du beurre, pas mal de beurre. Bon, là, j'ai un petit morceau. Je sais pas s'il y en a suffisamment, mais sinon, j'en ai encore dans le frigo. Il nous faut également des œufs. Il nous faut aussi, bien évidemment, du chocolat. Donc de préférence du chocolat noir parce que ça donne bien plus de goût, c'est plus intense. Mais si vous n'aimez pas trop, si vous aimez que ce soit moins fort, moi je pense qu'un jour je testerai, je prendrai peut-être un jour du chocolat au lait, pourquoi pas, ça peut être cool. Mais là du coup j'ai pris vraiment le chocolat noir, voilà. Je me dis que ça, je vais suivre la recette, je vais pas faire n'importe quoi. Donc moi il me restait un petit peu de ma commande keto, il me restait des petites noisettes que j'ai cassées du coup parce que c'était pour la recette, il fallait les casser. Je galère un petit peu parce que je filme avec mon téléphone en fait, et du coup je galère de ouf à filmer, je sais pas trop comment m'y prendre. Donc voilà, il me restait un peu de noisettes, donc au moins j'en ai. Et ensuite je vais tester du coup avec des noix de cajou. On verra bien si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Voilà. Le pire, si c'est pas bon, tant pis. Après par contre je les ai mangées, elles sont délicieuses. C'est dans le rayon en vrac. Je sais pas si par contre c'est le rayon bio ou pas, mais c'est le rayon en vrac où on peut se servir comme on veut. Et elles sont juste trop bonnes. Je les ai goûtées, elles sont trop bonnes. Voilà, ah oui. Et en dernier, il faut soit de l'huile de noisette, soit de l'huile de noix, il me semble. Donc là, en l'occurrence, Kylian a trouvé de l'huile de noisette. Donc bah, il a pris l'huile de noisette. T'es encore en train de critiquer que je me sois trompée dans les courses. Et bout, tu m'as pris tout sauf les bonnes noix, mon cœur. Du coup, au tout début, ce qu'on va faire, avant que monsieur me coupe, on va faire fondre le chocolat au tout début. Donc il préconise de faire fondre pendant à peu près 1 minute 30, voilà, au micro-ondes. Donc en l'occurrence il faut 200 grammes, donc là il y a 205 grammes, hein, donc je vais mettre la totalité de la plaquette. Ne vous inquiétez pas, c'est propre, c'est juste que j'ai rasé des trucs, donc forcément c'était trempé. Voilà. Bon, donc du coup il faut casser le chocolat forcément en morceaux pour que ça fonde bien plus facilement et puis surtout que ça rentre comme il faut dans le bol, hein. C'est parti pour 1 minute 30 à surveiller quand même pour que ça boue et que voilà, ça devienne plus liquide quoi. J'ai oublié de vous dire parce que je suis une idiote finie et que je ne suis jamais les recettes correctement, c'est qu'il faut faire fondre avec le beurre également. Voilà, donc il faut 100 g de beurre. Ensuite, ils disent qu'il faut lisser avec un fouet, donc voilà ce que ça donne, le beurre et le chocolat. J'ai léché un petit peu la cuillère, je l'avoue. Je plaide coupable, donc je vais le faire manuellement et puis si jamais j'arrive pas à correctement le faire, je le ferai avec ma petite machine. Je vais prendre un fouet, je racle la cuillère pour éviter d'en lécher la totalité du contenu. Voilà, et il faut ensuite rajouter l'huile, donc c'est l'huile de noisette ou de noix comme je vous l'ai dit. Donc là, pour le coup, il faut 50 grammes. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils disent que ce soit en grammes plutôt qu'en litres alors que c'est liquide. Mais bon, bon, je vais laisser ça là. Hein. Bon, du coup, je mets 50 centilitres pour 50 grammes. Bon, on va faire par rapport aux grammes. Sucre, admettons. Comme ça, je vais pas en mettre trop parce que je pense pas qu'il faille en mettre trop. Je vais pas en mettre plus que ça. Je suis pas sûre qu'il faille en mettre non plus 45 tonnes. Si je foire mon brownie, je vais péter un plomb, je vous le dis. Oh là là, regardez-moi ça, ça a l'air délicieux. Ensuite, on va s'occuper des œufs et du sucre et on va essayer de faire un effet un peu mousseux. Donc pour ça, il va nous falloir donc de quoi
quoi, donc de quoi mesurer, enfin un verre doseur tout simplement pour voir la quantité qu'il faut. Et donc pour le sucre il nous faut 150 grammes, donc là pour une fois je vais vraiment respecter, je vais vraiment mettre 150 grammes parce qu'avec le chocolat noir qui donne quand même un goût bien plus fort, vu que j'ai mis en plus moi du beurre salé, je pense qu'il faut mettre quand même les 150 grammes même si ça va faire quand même beaucoup. Pour avoir un effet mousseux, je pense qu'après je vais peut-être utiliser ma petite machine avec mon fouet là. Et il nous faut 2 œufs, tout simplement des œufs entiers bien évidemment. Voilà, là je pense qu'on a un résultat quand même qui est assez mousseux. Ensuite, il faut que je mette le chocolat en fait dedans. Donc on va mélanger le tout bien évidemment pour que ce soit bien homogène. Hop, et ensuite donc vous pouvez mettre une pincée de bicarbonate, moi je n'en ai pas. Vous pouvez mettre aussi une petite pincée de vanille, extrait de vanille ou tout comme ça. Du coup je vais rajouter la farine, et du coup bah, pour la farine il faut 150 grammes. Donc j'espère que j'en ai suffisamment, sinon il va falloir que je l'ouvre en notre paquet, j'ai un peu la flemme. Regardez la texture quoi, c'est un truc de ouf. Du brownie, je suis en train de réfléchir, est-ce que je mets un tout petit peu de levure ou pas, pour pas qu'il soit trop compact, ou j'en mets pas parce que normalement c'est pas censé gonfler un brownie. Ensuite il faut hacher les noix, donc moi bon pas pour les noisettes c'est bon parce que je les avais déjà cassées. Bon, j'ai beurré et fariné mon moule. Maintenant, il ne reste plus qu'à verser notre petite mixture. Bon, voilà ce que cela donne pour le moment. Du coup, je vais rajouter quelques petites noix de cajou. Voilà le résultat, enfin pas tout, j'allais dire final, mais pas tout à fait final parce que maintenant il faut aller le cuire. Et donc il faut maintenant le mettre seulement 25 minutes au four à 180. Donc c'est parti. Je vais attendre un petit peu qu'il refroidisse avant de le démouler, mais bon, voilà, il a un bel aspect, je trouve ça grave joli en vrai, le fait qu'il y ait plein de traits comme ça, vraiment. J'espère qu'il est assez cuit, qu'il est bien, et puis je vous montrerai démoulé, et je vous dirai après bah, ce que j'en ai pensé, si j'ai trouvé bon, je vous mettrai ça certainement en bas de la vidéo ou dans la description, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, et puis je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite, et surtout si vous reproduisez cette recette, n'hésitez vraiment pas à m'identifier, ça me ferait plaisir. Voilà, bisous. You make me move, you make me dance, you make my